Voir un papillon voler délicatement dans votre jardin est toujours un spectacle agréable. Cet insecte participe à la pollinisation des fleurs en se nourrissant de leur nectar. Mais derrière le papillon se cache la chenille qui fait souvent le malheur des jardiniers. En effet, on observe fréquemment les chenilles en train de grignoter les feuilles des plantes du jardin. Les dégâts sont souvent minimes, sauf dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'on a affaire à la piéride du chou. La présence de ce joli petit papillon blanc autour de tes choux doit t'alerter. Il pond des œufs jaunes en dessous des feuilles et quelques jours après, tu constateras déjà les dégâts. Seules les nervures des feuilles seront épargnées. Heureusement, les jardiniers ne sont pas démunis face à ce problème au potager. Avant la période des pontes du mois d'août, installe un voile anti-insectes qui empêchera le papillon de pondre sur tes plantes. S'il est trop tard, écrase les œufs ou ramasse les chenilles à la main. N'oublie pas que nous sommes des prédateurs redoutables de chenilles, surtout au moment de nourrir nos petits au printemps. En effet, des humains ont compté qu'en couple, nous attrapons près de 7000 insectes en tout genre sur une saison. Alors, pour mieux nous accueillir, n'hésite pas à installer un nichoir. Un autre papillon qui a tendance à fâcher les jardiniers est le carpocapse du pommier. Présent dans les vergers, la chenille de ce papillon de nuit dévore les pommes et les poires de l'intérieur. C'est le fameux ver de la pomme qui donne des mauvaises surprises à ceux qui veulent la croquer. En plus, il provoque la chute prématurée des fruits. Dès le début des vols du carpocapse au mois de mai, place un piège à phéromones dans l'arbre. Ce piège, très efficace, attire les papillons mâles qui seront collés sur une plaque engluée. Pas de mâles, pas de reproduction, et donc pas de vers dans les fruits. Un autre moyen de lutte consiste à enrouler le tronc avec une bande de carton épais dès le mois de juin. Les larves se logent dans les alvéoles pour faire des cocons. Il ne te reste plus qu'à te débarrasser du carton en automne, en le brûlant par exemple. Attention! La plupart des autres espèces de chenilles sont à préserver, car sans elles, on ne verrait plus de papillons polliniser les fleurs. La chenille du macaon, par exemple, friande des feuilles de carottes et de fenouil, est assez rare au jardin et se transforme en un papillon magnifique. Et rappelle-toi, lorsque tu jardines sans pesticides, tu peux m'accueillir ainsi que mes amis et préserver la biodiversité dans ton jardin.